Mais qui me regarde ici? Est-ce que la caméra est même activée? Ah, je pense que oui. Ah oui, ok. Ah, bonjour les frères, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ah, mes frères et sœurs, serez-vous prêts à faire le métier du serpent? Dites-moi. Est-ce que vous serez prêt à manipuler des serpents juste comme ça? Ah! Si je suis bon, et même à la fin de cette vidéo, vous allez voir une vidéo où un homme avec un gros serpent et lui, son travail, c'était de tuer les prostituées et donner leur corps pour nourrir son serpent géant. Et encore, voici un autre gars qui utilise des serpents énormissimes pour faire des choses. Oh, du coup, même moi, je ne comprends pas les gens. Ah, t'as vu des chats, t'as vu des chiens. C'est le serpent qui dit dans ma voix. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bon, suivez-nous. Si vous n'avez pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. C'est son métier. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Nous allons au studio. Et ce qu'on va voir, ça risque de vous choquer. Si vous savez que vous avez peur des serpents, faut me prévenir que guérir. Regardez la vidéo suivante. C'est vrai, il y a des gens qu'on ne sait pas. Donc, je préfère vous dire parce que ça, c'est pas de la blague. Comme vous voyez ici, il y a un truc chelou. Le métier d'un champ. Exhiber des serpents géants comme ça. Et le serpent, il est vraiment énormissime. Et regardez même là, sa taille. Ah! Et c'est pas pareil! Tu vois, on voit le serpent parmi les humains, parmi les vivants, parmi nous. Mais pourquoi? Mais comment? Regardez. Chez nous, on dit, un vrai serpent, c'est un serpent mort. Mais pour ce gars-là, le serpent, c'est un mystère qu'il a besoin de découvrir. Et il a besoin d'utiliser son reptile pour faire du divertissement. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Mais l'histoire est là. Il va tout nous dire ici. On nous dit, l'Afrique et ses mystères ne finiront jamais de nous étonner. Ah oui, ça c'est vrai. Voici un homme qui est là avec un reptile qui est en train de faire des trucs chelous. Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête. Mais on nous dit à chacun son activité. Lui a choisi de s'exhiber avec des reptiles, plus précisément deux gros serpents qu'il garde en enclos. L'homme est un Tanzanien et exécute la danse des serpents. On le prendrait pour un suicidaire vu le jeu auquel il s'adonne avec passion. Donc toi, ta danse, ce n'est même pas le bashingé. Ce n'est même pas le... Je ne sais pas quoi. Toi, ta danse, la danse des serpents. Tu danses avec même les serpents. Ah! À cause de tout ce qui s'est passé dans le jardin de Dan, avec Adam et Eve, nous tous, même nous avons des problèmes avec le serpent. On se dit même le serpent, mais à cause de toi, mais nous sommes dans des soucis ici. Et toi, tu kiffes le gars. Moi je ne comprends pas, comment c'est possible? Peut-être que tu as du kiff les serpents. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à ce niveau-là? Mais on nous dit plus loin, écoutez bien, regardez, on nous dit, ces deux reptiles semblables à des anacondas de forêt amazonienne sont ces véritables bébés. Quoi? Vous osez dire bébé, sérieux? Je ne comprends pas. Malgré la peur que tous ceux qui existaient à la scène éprouve, il les cajote en vrai mère poule. Le mystérieux prestidigitateur. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les gens? Parlez français simple. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Le plus heureux prestidigitateur va jusqu'à se mettre les deux têtes de serpent dans
la gorge. Il va mettre les deux têtes de serpent juste dans sa gorge. Ah bon? Qu'est-ce que tu cherches à nous montrer? Allons-y plus loin. Il va aller jusqu'à mettre la tête de serpent dans la gorge sans aucun dégât. Un véritable illusionniste se vénère pendant que les téléspectateurs ont foi dans le dos. Pendant que les téléspectateurs ont foi dans le dos, lui semble bien s'éclater. On croirait que ces serpents sont sous contrat. Sérieux? Il est vrai que l'adage dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais je ne connais personne qui serait tenté par cette folle aventure. Mes frères et sœurs, dites-moi, frères et sœurs, est-ce que vous serez prêts? Vous serez prêts à faire le métier de ce gars? Est-ce que vous êtes même prêts? Ma sœur, toi tu aimes trop les choses comme ça, non? Non, moi j'aime pas ça. Ah, il y a ce qu'on, tu me fais peur. Allez, le serpent. C'est ce que les femmes disent souvent, non? Regardez-vous-même. Vraiment, le serpent est quand même chiant. Et on nous dit qu'il a même deux serpents de ce type. Et tu vas prendre la tête de ce serpent pour mettre le bout. La mettre dans ta gorge juste comme ça. Ah, mes frères et sœurs, les gens même n'ont pas pitié. Les gens même ne veulent pas vivre longtemps, je dirais. Ils ne veulent pas vivre longtemps. Moi, je n'aime pas du tout le serpent. Parce que dans le château de Dem, il y a eu un truc là-bas. Moi, déjà, même ça m'énerve pour commencer. En deuxième lieu, le plus mauvais animal de compagnie qui existe au monde, c'est le serpent. Parce que lui, là, tu l'as avec toi et faut te préparer à mettre à mourir un jour parce que c'est toi-même qui va dévorer, tu te rends pas compte. Ah, c'est étrange. On lui dit même qu'il y a une femme qui avait un serpent comme ça. Et elle pensait que le serpent c'est son ami. À un moment donné, le serpent a arrêté de manger. Un jour, le serpent ne mange pas. Elle ne comprend pas. Deux jours, il ne mange pas. Trois jours, le serpent ne mange toujours pas. Quand elle s'entend, le serpent vient s'enrouler autour d'elle. Elle ne comprend rien de tout ce qui se passe. On lui dit même qu'elle allait même voir un vétérinaire pour voir ce qui ne va pas avec son serpent géant. Et arrivé là-bas, son vétérinaire lui a dit que le serpent qui est là, que tu appelles ton ami là, il se prépare à te manger. C'est pourquoi ça fait trois jours de jeûne. Peut-être, ça va même peut-être aller dans une semaine de jeûne pour te manger. L'animal de compagnie que tu dois jamais avoir chez toi, mon ami, faut pas dire qu'on t'a pas dit. C'est le serpent. Faut pas avoir l'animal de compagnie pareil chez toi. Regardez-moi comme les chiens, mais ils sont jolis. Regardez comme les chiens. Au pire des cas, un chat. Il y a des gens qui vont même plus leur poupon le lion. Ah! On a même déjà fait une vidéo ici où on a vu un lion qui avait même peur de nous. Ah! Faut pas les lions, faut pas les humains, vous me dévorez! Ah! Nous on a peur que toi tu nous dévores. Et si tu as peur que nous on te dévore, c'est extraordinaire! Qu'est-ce qu'il y a pas à vous? Mais évitez tout. Évitez les trucs comme le serpent. Évitez beaucoup de choses. On lui dit même de ne pas manger la viande de porc. Moi, mais je me pose des questions. La sauce là est douce. Comment je fais? Aidez-moi. Quelles sont les viandes qu'on ne doit pas manger? On dit la viande de porc là. On dit, il y a une catégorie de viande de porc qu'on ne doit pas manger. Non? Allez bien lire la parole de Dieu. Ceux qui connaissent, réagissez bien dans la partie commentaire. Maintenant, ici, on ne sait pas qui vend quoi. Tu as vu chez la femme, tu as dit pour la question, tu as dit, mais ah, tu as dit de ne pas manger la viande de pomme, mais qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle va te dire, oh, je mange ce que tu as demandé de manger. Mais comment ça s'appelle ce que tu as demandé de manger là? Et puis tu vois là. Elle va même pas bien t'expliquer ça. Comment moi je fais? Je compte sur vous aujourd'hui. Restez dans la partie commentaire, dites-moi. Est-ce que vous mangez la viande de porc? Dites-moi. La viande de porc. Est-ce que vous connaissez même? Allons en Chine, vous allez voir. Là-bas, c'est même chaud. Il pense qu'il y a un festival, il y a une fête même pour ça même. Il y a une fête pour ça. Ah! Peut-être que toi, je t'en fais la fête de hamburger avec tes amis. Mais il y a des gens qui font la fête de porc. Sérieux. Le plus grave, mais que moi, même, j'aime pas même en parler, même que j'ai vu, ça m'a fait même touché, attristé. C'est une fête organisée pour tuer les chiens. On tue juste les chiens.
Et on fait du rôti avec les chiens. C'est terrible. Ça n'a rien, c'est pas ça. Allez, jetez un coup d'œil, allez voir. Mais faites attention quand même à vous. Un tel métier, moi je ne le conseille pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Un métier et un métier, il ne faut pas avoir ses mentir. Tu vas faire un truc comme ça et après toi-même, un jour ça va finir mal. Le sépa même va te faire mal. Tu n'as rien compris dans ça. Tellement ça vient venir. On nous dit chez nous que le meilleur nageur est mort dans une piscine. Et lui, il a nagé dans la mer, il n'a rien eu. Il a nagé dans l'océan. Il a même nagé avec les requins là-bas. Les requins lui ont dit, oh bonjour, ça va? Et lui, c'est dans la piscine, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a que les humains lui viennent mourir. On ne sait vraiment jamais. Il faut juste être prudent. Partagez cette vidéo maintenant. C'est parti, abonnez-vous.